Hey Yo! Déjà sans plus cette intro là. J'en ai marre. J'ai essayé de faire autre chose. Un truc du genre. Là, bonjour! On me communique dans l'oreillette qu'un autre youtubeur utiliserait cette intro. C'est embêtant. On va essayer un truc comme ça. Bonjour. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. J'ai déjà fait des vidéos similaires à celle-ci. On repart sur un top 5 des choses qui font quand même bien flipper. Tu dors? C'était un test pour voir si t'avais tes écouteurs et si t'as eu peur c'est que t'avais des écouteurs. Dans ce cas, c'est-à-dire que t'es dans l'ambiance pour la suite de la vidéo qui arrive tout de suite avec un top 5 dingue. Si tu veux voir les vidéos dans l'intégralité, je te conseille d'aller dans la description, il y aura les liens s'ils sont disponibles. Commençons tout de suite avec le numéro 5. On commence avec un youtubeur du nom de Chenny Explore. Je te l'écris ici, si je prononce mal, il écrit juste là. Il part avec ses potes visiter une ancienne école ou une sorte d'université, un truc un peu comme ça. Ça ressemble en tout cas à une école. Et donc, ils vont explorer ce grand bâtiment qui est quand même en assez bon état et qui se trouve a priori en ville. La vidéo est assez longue, elle dure environ 30 minutes, à peu près le temps de mes vidéos en fait. Et là, il tombe sur un type de personne qu'il avait pas forcément envie de croiser à ce moment-là en fait. Faut bien être conscient que ça peut arriver à tout le monde, genre de situation. Faut bien se mettre dans la tête que l'urbex, c'est une pratique qui reste dangereuse et illégale. Donc, il y a des situations qui peuvent nous arriver à tous. Comme celle-ci par exemple. On de la fable dans la chaîne. Oh yeah. No, no. Good job. No, it's alright, that was just the door closing. It's locked, is it? Fucking sirens. Are we in like the crime capital of England? What? The beer flashing eyes are reflecting on the building, which means they're down below it. Oh no, we're going out. No, 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 wait, wait, wait. Who's down below? We need to go to a window. No, 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 we need to go to a window. Why? We need to go to a window. No, 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 we need to look out a window out there to see where that police car is. Oh, right. Okay. What was that? We're running for our lives out there. What's coming? Oh my god. Oh my god. Oh my god. We need to take shit, we need to take mine. Yes, yeah. I heard so many shouts and I heard so many bangs where there were slamming doors behind them because they were just running. Who is? The man. The man? Right. Fuck off, is he? Oh, fuck, he is as well. Shit. Tu nous as fait une Usain Bolt en fait, là t'as carrément couru comme jamais quoi. Ils sont tombés face à des dealers de drogue, ça c'est ce qu'ils expliquent dans la description de leur vidéo, et ils se sont fait poursuivre un petit peu par ces gens-là, donc ils savaient pas du tout l'intention de ces personnes, ils savaient pas s'ils étaient armés, ils savaient pas s'ils étaient gentils ou pas. Ah. Je crois que j'ai pété une lampe. Ah non, elle marche encore mais... Elle marche encore mais elle déconne complètement du coup. On va faire un truc. Cette lampe m'a accompagné dans toutes mes explorations depuis que je fais de l'exploration nocturne. C'est la toute première lampe que j'ai achetée. Eh ben écoute, si ça t'intéresse de gagner une lampe pourrie qui ne marche plus, dès que cette vidéo aura atteint les 10 000 vues, je choisirai parmi les gens en commentaire qui auront mis le hashtag « Je veux la lampe pourrie », je t'enverrai cette lampe pourrie qui m'a servi dans mes explorations. Peut-être qu'un jour tu pourras la vendre sur eBay, comme on vend aujourd'hui des objets de Johnny Hallyday par exemple.
Peut-être. Un homme visite, a priori seul, j'ai pas trop fait attention, mais j'ai l'impression qu'il est seul. Il visite un endroit abandonné qui est complètement délabré, complètement cassé. Je veux pas en dire plus, je te laisse regarder la vidéo. I guess that's the reception area. Oh man, this place is so freaking creepy. Alright. Oh, this thing is moving. Est-ce que tu as vu cette silhouette au fond? Je te la remets au cas où tu ne l'as pas vu. Regarde bien, il y a clairement quelqu'un ou quelque chose qui est présent ici. I guess that's the reception area. Oh man, this place is so freaking creepy. Alright. Oh, this thing is moving. What the hell? Whoa. What was that? Did you guys hear that? J'ai pas spécialement d'explication à ce qui vient de se passer dans cette vidéo. Je sais pas si c'est quelqu'un d'humain, je sais pas si c'est quelque chose de paranormal. On sait pas trop en fait. J'avais pas le lien qui menait à la vidéo complète, donc du coup je sais pas ce qui se passe après. C'est bien dommage parce que j'aurais bien voulu voir la suite. Si quelqu'un a déjà vu cette vidéo et qui trouve l'intégralité, je veux bien la voir. On vient maintenant en France, le lien comme d'habitude dans la description, tu t'inquiètes pas, ils sont mentionnés, tu peux aller les voir, tu peux aller checker leur chaîne, tu peux aller t'abonner si tu veux. Ils partent en exploration du côté d'Angoulême, dans une piscine abandonnée, où ils disent avoir croisé une étrange créature. Alors une étrange créature, ça veut tout et rien dire, ça peut être un chat avec une queue en moins, ça peut être, je sais pas, tonton Jackie qui rentre bourré du bistrot. Une étrange créature, ça veut tout et rien dire. Donc j'ai regardé la vidéo, il y a un truc qui m'a tilté, c'est pour ça que je l'ai mis dans le top, je vous explique après, je vais regarder la vidéo. Ben oui. Attends. Attends, attends. Non, 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 attends, attends. Viens, viens. Donne la main. Attends. Non. Non, non, c'est pas vrai. J'y suis déjà allée. Faites quoi? Mais viens, viens. Là, ça sonne ou pas? T'es sûr? Oh putain! Le truc qui m'a fait tilt dans cette vidéo, en fait, c'est pourquoi l'alarme d'intrusion se déclenche au moment où ils voient cette étrange créature. Pourquoi l'alarme s'est pas déclenchée avant, au moment où ils sont rentrés à l'intérieur? Pourquoi l'alarme s'est pas déclenchée après, quand ils sont partis? Ensuite, il y a le lien de la vidéo dans la description. J'étais pas trop en accord avec leur façon de pénétrer dans le lieu. C'est pas trop dans mes convictions, c'est pas trop dans l'urbex tout court. On rentre pas dans un lieu comme ça. Et ça, après, bon, c'est mon jugement à moi personnel. Mais je suis pas d'accord avec eux là-dessus, ça se fait pas. Maintenant, pour parler de cette étrange créature, entre guillemets, qui se trouve ici, sur le lieu au moment où ils arrivent dedans, pour moi, il n'y a rien de paranormal. Il s'agissait sûrement juste d'un sans-abri qui avait pris refuge à l'intérieur du bâtiment et qui a eu sûrement plus peur que ces jeunes personnes qui s'étaient introduites à l'intérieur, en fait. Moi, je pense juste que c'était ça. Il a pas l'air d'être inhumain, ce personnage, si on regarde bien. On voit clairement quelqu'un qui a peur, en plus qui se retourne rapidement. Il devait être en train de dormir, je sais pas moi. Mais pas de paranormal pour moi en tout cas. Ici, ça, y a rien de paranormal. Nous sommes aux États-Unis, un groupe de jeunes qui s'amusent à explorer les tunnels aux États-Unis. Alors vous savez, c'est des tunnels en fait qui passent sous les routes et qui font, je sais pas, une centaine de mètres. Vous avez dû voir ça dans GTA par exemple, où après vous avez une partie extérieure, donc vous voyez le ciel, les routes et tout ça, et après vous rentrez dans un tunnel. Un enchaînement de tunnels comme ça, avec tunnel, jour. Du coup, ils s'amusent à explorer les tunnels comme ça, en pleine journée en plus, hein, ils se promènent dedans. Et là, ils arrivent au bout d'un tunnel, ils sont à peu près aux trois quarts, et donc ils voient la lumière du jour au bout. Et ils aperçoivent une espèce de silhouette qui se rapproche. Regarde ça. I don't know if they can see that.
mountains, you meant. That's the thing you're saying, and then what? That's the thing. No. I thought I was freaking dead. I thought I was dead. Dude, what? Did he grab you? He grabbed my arm and my bag. Holy. I don't know how I got out of that. Et il regarde à nouveau dans le tunnel, voir si cette silhouette s'approche en fait. What the heck did happen? Okay, I'm showing the lamp. Is that actually your bag, Lucas? What is that? Dude, focus your line on. What the? What is it? Dude, come on, you're with me. I'm going to get right there. Well, dude, get back. No! Get the bag. What? Chuck, if you're still there. No. Not go back down in it, like look over the thing. No. Oh my gosh. What are you doing up over there? What? Oh shoot, dude, he's coming back. Go. Hop the wall. Is he gonna come up here? I don't know. Oh shoot, okay, alright. Go! Dude, he's getting up the ladder! Oh, I'm trying. Don't. Going up the ladder. Oh, shoot. Oh, my gosh. Oh. Come help me down! Oh, shoot, dude. Dans tous les cas, c'était quelqu'un de normalement constitué, un être humain. Et il aurait dû parler déjà, il aurait dû s'exprimer et dire « Eh oh, comment ça va les enfants? Vous voulez des Smarties ?» Non, ça aurait été hyper flippant aussi en fait. Et en plus de ça, il court même pas. On dirait Michael Myers dans Halloween, tu vois. Le mec, il est là, il marche, il les rattrape toujours, en marchant. Bref, on sait toujours pas qui est cette personne. Et à mon avis, les tunnels, c'est fini pour les gamins. Ils retourneront sûrement pas à l'intérieur. Mais ils ont bien flippé quand même. On passe à la dernière. Si vous êtes choqué facilement, ne regardez pas la suite de cette vidéo. Une petite exploration féminine pour changer un petit peu. Deux filles partent explorer un bâtiment abandonné, de nuit. Je pense que c'était des novices et elles avaient envie de se faire une petite frayeur. Et elles se retrouvent dans un bâtiment où elles sont pas seules. Ce qui va être engendré par la suite. Bah, je te laisse voir le début déjà. We need you. I'm gonna set that down real quick. My camera died. Look at these. Spooky, scary. Skeletons send shivers down your spine. I am going to die. Do not die. Swear if you die. Oh, that's weird. Spooky, scary skeletons send shivers down your spine.
That's actually really creepy. Yeah. I'm okay. Kinda gonna stick by you. Okay. So stick by won't you stay? Shut up. Shut up. What is that? Get this way, get this way. Shut up. Après ça discute. En fait, je suis même pas sûr qu'il parle à ces deux filles-là. À la fin de cette vidéo, il y a carrément un message qui explique que si on a des informations sur cette histoire ou sur le suspect, il y a un numéro de police à contacter car ils auraient retrouvé le corps des deux filles plus celui de la fille qui était ligotée. Alors j'ai effectué quelques recherches après sur cette histoire et j'ai rien trouvé en fait. J'ai pas vraiment trouvé de choses qui certifiaient que cette vidéo était vraie. J'ai pas trouvé de choses qui disaient que cette vidéo était fausse. En fait, j'ai pas d'informations réelles sur cette histoire pour dire si c'est vrai ou pas, mais j'espère que c'est faux. Vraiment, parce que sinon c'est triste, c'est vraiment horrible. Si cette histoire est vraie, c'est vraiment horrible. Malgré le fait que les réactions soient hyper réalistes des deux filles, malgré le fait que ce soit hyper mal filmé, du coup, ça rend le truc encore plus réaliste. J'ai tendance à penser que cette histoire est fausse, et j'espère qu'elle est fausse, encore une fois. Si vous voulez effectuer des recherches de votre côté, cette fille s'appelait... La fille ligotée, ils ont réussi à l'identifier. Elle s'appelait Jenna Jarvis, donc je vous le mets ici. Vous pouvez aller voir sur internet si vous trouvez quelque chose. J'ai trouvé des choses, mais rien en rapport avec cette histoire, donc je ne sais pas si c'est réel ou pas. Donc faites vos recherches et dites-moi en commentaire si vous trouvez... un lien avec cette histoire. Mais en tout cas, on finit pas sur une vidéo très joyeuse. Faites vos recherches si vous avez envie et dites-moi en commentaire si vous trouvez quelque chose qui est en rapport avec cette histoire ou si c'était un gros fake qui était quand même hyper bien fait, si c'en était un.
J'ai fini pour aujourd'hui, la vidéo est terminée, j'ai plus rien à dire. Si t'as aimé cette vidéo, n'hésite pas à laisser un pouce bleu, un commentaire comme d'habitude. À t'abonner si c'est pas déjà fait, abonne-toi. Il y a un bonhomme quelque part, je sais pas où je vais le mettre encore. Bref, je te laisse ici, passe une excellente soirée, essaie de dormir quand même ce soir. C'est bientôt la rentrée, c'est peut-être même demain la rentrée. Je te laisse ici. Jean-Mi, t'envoies le générique s'il te plaît ? Générique.